Aujourd'hui, le festival touche à sa fin. C'est donc le moment de demander à nos festivaliers ce qu'ils vont retenir de cette 35e édition. Bonjour, bien moi c'est Bernard Saguigna, voilà, je suis musicien, alias B. Blake. Je suis musicien, blues, essentiellement. Et le moment préféré, mon moment préféré de ce festival de cette année, c'était hier soir, à 18h45. Il y avait un petit groupe de jeunes, enfin qui sont plus si jeunes que ça, mais qui sont très, très, très bons. Bonheur. Bonsoir, donc moi je m'appelle Johan, ça fait plusieurs années que je viens ici en tant que visiteur. Et là cette année je m'occupe avec Magali de l'internat où tous les luthiers et les joueurs viennent se loger, quoi. Et donc j'ai un groupe de musique avec mon ami Mickaël. Et voilà, donc c'est super, bonne ambiance. Le moment préféré que j'ai eu ici c'était Jessie Lee. Franchement excellent, super groupe, vraiment excellent. Moi il y a plusieurs moments, donc le groupe d'hier soir, et c'est donc la deuxième année que je viens et je découvre à chaque fois ce festival vraiment top. Et puis bah, essayer toutes les guitares des luthiers, mine de rien, c'est vraiment intéressant de découvrir des bois et puis bah, des façons de faire qui changent un peu de l'ordinaire, donc c'est vraiment top, vraiment content. L'édition de cette année, mais toujours égale à elle-même, c'est-à-dire que la programmation est toujours intéressante. Et en dehors de la programmation, effectivement, j'ai dit bien, qui est très intéressante, toujours intéressante, je retiens que je retrouve toujours des amis et que ça n'a pas de prix, que je retrouve le staff que je connais depuis de longues dates, que c'est toujours un plaisir de les retrouver. Mais quant à la programmation, toujours, tout le temps, qu'il ne change rien, c'est super bien. Je m'appelle Justine Erker, on m'appelle Rose, voilà. Et en fin de compte, je m'occupe de la scène des luthiers, donc mon moment préféré, c'est celui-là. Parce que, en fin de compte, c'est une chose qui me tient, cette scène me tient particulièrement à cœur. Parce que je suis fan de lutherie et des luthiers. Je trouve que c'est un travail absolument super. Voilà, et ici, on a la chance tous les ans d'avoir des super luthiers avec des guitares magnifiques. Voilà. Salut, on est au Festival Guitare Issoudun. Je m'appelle Adrien Janiac, je suis ukuléliste et je suis très content d'être là. La question qui est posée, quel est le moment préféré du festival ? Eh ben, c'est pas évident à répondre parce que on a envie, comme le slogan le dit sur les petits sacs qu'on trouve au stand de merchandising du Festoche, c'est jouer de la guitare ou du ukulélé pour mon cas, du matin au matin. Je pense que c'est ça mon moment préféré du festival, c'est-à-dire que c'est du début à la fin jusqu'à la fin. Voilà. Alors effectivement cette année, gros moment parce que j'ai le plaisir depuis 3 ans maintenant d'animer une jam, d'animer les afters au Café de la Paix de la ville d'Issoudun. Il y a tellement de grands moments, c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Donc je pense que ça va être l'ensemble de ce festival, l'ensemble de ces instants qu'on vit, pour moi en tout cas depuis bientôt 20 ans, tous les ans. Ici, avec cette famille incroyable, que ce soit tant les organisateurs, les bénévoles, les luthiers, les musiciens, les amis de 20 ans, les amis d'hier soir, les amis de ce soir, parce qu'on va encore rencontrer, je suis sûr, des guitaristes et des musiciens incroyables. Voilà, enfin, longue vie au Festoche et que chaque minute, que chaque seconde de festival soit le meilleur moment de tous les festivals. Et je pense que chaque édition est mieux que les autres. Ça veut dire que du coup, toutes les éditions sont incroyables et qu'on rencontre, et qu'on découvre et qu'on écoute tellement de belles choses et qu'on voit tellement de belles choses. C'est le meilleur moment, c'est tous.